toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous marchons dans la puissance de Dieu. Nous
Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Chantons ensemble au numéro 11 du chanton. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant. Viens régner dans nos cœurs maintenant. Nous allons maintenant nous tenir debout et nous allons ensemble entonner notre chantème. Il est pour tous, soldats pour le conflit. Entends-tu l'appel? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu envolé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu Jésus appelé de ta courage, soldats qui le suivront de près chaque jour. Lui, ce brave héros, veut bien nous former. Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, car tu en es digne. Nous voulons te remercier, Papa, pour la journée. Merci d'avoir pris soin de nous, de nous avoir gardés, protégés, nourris. Merci d'avoir conduit nos pas ici, sans malheur, sans accident. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes, car certainement au cours de la journée, Seigneur, nous avons péché contre ta face, Seigneur. Alors lave-nous, purifie-nous et entends-nous. À cet instant, Seigneur, alors que nous sommes rassemblés dans ta maison, que tu puisses nous remplir pleinement de ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions recevoir ce message que tu as pour nous, Seigneur mon Dieu, et que surtout nous puissions le mettre en pratique. Nous te remettons le pasteur, Seigneur, que tu puisses, que ce soit toi-même qui puisses parler, Seigneur, au travers de lui, et que, Seigneur, que chacun de nos cœurs soit touché, nous ici, mais ceux aussi qui sont sur le live. Sois avec nous, Seigneur, hâte les pas de ceux qui ne sont pas encore là, et dirige toute chose, que ce programme, Seigneur, soit uniquement pour ta gloire. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen.
Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Moi, ça a été par la grâce de Dieu. Alors, je vous souhaite à chaque castor, aventurier et clergia, ainsi que chaque frère et sœur, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Maintenant, prêtez une oreille attentive à un chant spécial. Bonsoir à tous. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 12 et le verset 9, il nous est dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » En ce soir, voici les paroles que le Seigneur voudrait vous adresser au travers de ce chant. « Ma grâce te suffit. » Je puis tout par Christ, car il me fortifie. Ses promesses pour ma vie sont certaines. Tout honneur lui revient. Gloire lui appartient, sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Sa grâce me suffit lorsque je perds courage. Il me relève et me porte dans ses bras. Quand je suis affaiblie, sa force est mon soutien. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Notre Dieu est grand, oui, il est tout puissant. Reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. Il est prêt à t'aider, à combattre pour toi. Abandonne-toi à lui dès aujourd'hui. Sa grâce me suffit lorsque je perds courage. Il me relève et me porte dans ses bras. Sa force est mon soutien. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit lorsque je perds courage. Il me relève et me porte dans ses bras. Sa force est mon soutien.
grâce te suffit. Oui, sa grâce te suffit. Je vous invite maintenant à vous tenir debout et ensemble nous chanterons la première strophe de notre chantem. Il est pour tous, soldat pour le conflit. Entends-tu l'appel? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, il a fait chaud. Même, oui, très chaud. Je suis d'accord avec toi. Très, très, très chaud. Ce soir, en présence de notre Seigneur Jésus, il fera encore plus chaud. Mais c'est une bonne chaleur. C'est une chaleur supportable. C'est une chaleur qui va nous fortifier et nous encourager. D'accord? Samedi, nous avons une sainte cène. Nous avons le service de communion où nous allons communier ensemble, mais nous allons aussi communier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh là. Vous savez que le service de communion annonce que Jésus revient bientôt et confirme que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Vous le savez. Vous le croyez. Amen. Vous l'avez accepté. Amen. Alors, ce matin, vous savez, au niveau de l'union, nous avons toujours un moment de méditation, un moment où nous nous réunissons pour méditer sur la parole de Dieu. On le fait par Zoom parce que certains sont en Guadeloupe et les autres sont en Martinique. Et j'ai posé une question. Une question que je m'en vais vous poser tout de suite. Mais je ne vous demanderai pas de réponse, mais j'ai demandé à mes collègues de me répondre. Avons-nous la foi? Avons-nous la foi? D'accord? Je vois les gens secouer la tête, je dis Amen, merci Seigneur. Avons-nous la foi? Alors quand j'ai posé la question, il y a eu un blanc. Donc j'ai réitéré la question, avons-nous la foi? Mes frères et sœurs, nous avons la foi en Jésus. Amen. Nous avons la foi en Jésus et nous pouvons nous appuyer et avoir complètement confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler de solitude. Les gens qui sont seuls, tout seuls. Et pour pouvoir étayer notre propos de ce soir, je vous invite à prendre Jean 16, verset 32 avec moi. Jean 16, verset 32. Et on va le lire, ce passage, ensemble. Jean chapitre 16 et le verset 32. Jean chapitre 16 et le verset 32. Je vous laisse le temps de trouver le texte. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Voici, allons-y ensemble. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ces paroles de Jésus sont des paroles
fortifiantes, réconfortantes, que nous puissions les intérioriser, que nous puissions les accepter et surtout les vivre au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Dites à la personne qui est avec vous, à côté de vous, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je ne suis pas seul car le Père est avec moi. D'accord? Je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Peut-être que ces paroles, on ne les saisit pas pleinement, mais je me rappelle un soir vers 22 heures, je devais traverser un cimetière. Ça va? Je devais traverser un cimetière et vers les 22 heures, et j'étais avec des amis et mes amis disaient, tu sais, un mort peut sortir du tombeau et nous attaquer. Même quand vous traversez un cimetière, vous n'êtes pas seul, d'accord? Car le Père est avec nous. On a constaté que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un phénomène qui s'est produit. Il y a de plus en plus de personnes qui sont seules. De plus en plus de personnes vivent seules. Vous avez les personnes d'un certain âge, vous avez les personnes qui ont déménagé, ou encore les personnes qui sont tellement différentes qu'elles ne sont pas acceptées dans leur groupe. Et je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas encore Adventiste du septième jour. Je me rappelle à l'époque, je ne sais pas encore si c'est la même chose aujourd'hui, je me rappelle à l'époque, pour que tu sois branché, pour que tu sois à la mode, il fallait que tu aies une paire de tennis blanche. Une paire de tennis blanche. Et je voyais mes amis avec leur paire de tennis blanche. Mais vous savez, à l'époque, à mon époque, vous n'allez pas faire votre mère acheter la paire de chaussures que vous voulez. Votre mère achetait la paire de chaussures qu'elle voulait. Alors, je peux vous dire ça, hein? Vous pourriez bon lui dire cela, d'accord? Vous n'auriez pas eu la paire de chaussures blanches que vous voulez. Pourquoi tu veux une paire de chaussures blanches? Je vais t'acheter une paire de chaussures marron ou noire. Et ce jour-là, j'arrive à l'école ce jour-là et je vois mes amis avec leur paire de tennis blanche. Et ils me demandent, où est ta paire de tennis blanche? Je ne savais pas quoi répondre, j'ai réfléchi. Après, je leur ai dit, vous savez, ma paire de tennis blanche, maman l'a gardée dans le placard. Maman l'a gardée dans le placard pour que je ne salisse pas la paire de tennis blanche. Parce que, chers amis, il faut savoir que certaines personnes se sentent seules. Certaines personnes vivent seules. Alors, certaines vivent seules parce qu'elles ont subi un divorce. D'autres parce qu'elles sont tombées malades. Ou encore, après quelques années, elles se retrouvent seules. Les enfants sont partis en études ou encore se sont mariés, elles se retrouvent seules, ces personnes. Mais Jésus nous dit en ce soir, tu peux penser que tu es seul, tu peux être seul physiquement, mais le Père est toujours avec toi. En réalité, nous ne sommes jamais seuls. On peut toujours compter sur notre Seigneur Jésus. Mais quand je vous dis ça, cependant, il faut reconnaître une chose, que la solitude pèse sur certaines personnes. Et tant et si bien, on constate qu'aujourd'hui, que certains tombent en dépression, certaines personnes deviennent anxieuses, il y a l'anxiété, parce que la solitude les pèse. Et permettez-moi de dire une chose en ce soir. Certaines personnes souhaitent se marier. Amen. Pour le mariage. Certaines personnes veulent rencontrer quelqu'un. Okay. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui ne sont pas encore mariées
que le mariage, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas la réponse à tous les problèmes. Au contraire, quand tu te maries, il faut t'attendre à ce que tu aies encore davantage de problèmes parce que tu es avec quelqu'un qui est différent de toi. Demande à ma femme tous les problèmes qu'elle a avec moi. Tu peux lui demander. Parce que la vie à deux n'est pas aussi simple. Alors, certaines personnes auraient aimé se marier avec quelqu'un comme Jésus. Mais laisse-moi te dire, sur cette terre, il n'y a pas d'homme comme Jésus. Il y a des hommes comme les hommes. Il y a des femmes comme les femmes. Je me rappelle ce frère qui est arrivé à l'église et il a dit, « Pasteur, ça fait 2 semaines que je n'ai pas péché. 2 semaines, pasteur, que je n'ai pas péché. » Et le pasteur lui a dit, « Bonjour, Jésus. » Parce que celui qui est sans défaut, sans péché, c'est Jésus-Christ. Et la personne que vous allez rencontrer, je peux vous le dire, elle n'est pas parfaite. Elle est même loin d'être parfaite. Okay? Donc, ne pensez pas que le mariage serait la solution. Certaines personnes pensent que lorsque je vais me marier, je me sens seul, et c'est pour être heureux. Attends, ton bonheur repose sur Jésus-Christ. Tu as intérêt, écoute-moi bien, tu as intérêt à faire reposer ton bonheur sur Jésus-Christ. Parce que l'homme ou la femme que tu vas rencontrer va peut-être certaines fois te décevoir. Pas peut-être, hein? Va te décevoir, oui. Mais si. Parce que le seul être qui sera parfait, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut prendre en considération les personnes qui se disent que la solitude me pèse, je me sens tout seul. Et en réalité, ces personnes sont toutes seules physiquement. D'accord? Les enfants ne sont pas là. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. La situation est compliquée et difficile lorsqu'on vit seul. Vous savez qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, alors il ne faut pas que je dise en Guadeloupe parce que je n'ai pas les chiffres de la Guadeloupe, j'avais les chiffres des Abîmes, que plus de 50% des familles aux Abîmes sont des familles monoparentales. Des familles, vous vous rendez compte, 50% des familles monoparentales, des femmes qui sont seules avec leurs enfants. Et ce n'est pas facile. C'est même difficile pour certaines d'entre elles, voire même très compliqué. Parce que élever, éduquer les enfants seuls, ce n'est pas simple, pas vrai les jeunes. Alors j'aime souvent dire aux jeunes, alors mes enfants me disent, oui, mais papa, tu as des défauts, etc. Je dis, d'accord, très bien, j'ai des défauts, ok. Et papa, tu n'es pas parfait. Mais j'ai dit aux jeunes très souvent, vous voulez avoir des parents parfaits, alors que vous-même, vous n'êtes pas parfait. Papa, je voulais que tu sois de telle manière. Maman, je voulais que tu sois de telle manière. Ok, d'accord. Mais de la même manière qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas non plus d'enfants parfaits. Pas vrai les parents? Pas vrai les parents? Hein? Vous savez, nous en tant que parents, certaines fois, on veut que les enfants soient parfaits, ne commettent pas d'erreurs, marchent droit, etc. Laisse-moi te dire quelque chose. Comme tout être humain, il nous arrive de rater le but, de faillir. L'important, c'est qu'on se relève et qu'on continue à avancer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il est vrai, chers amis, qu'on peut le dire, que certaines personnes se sentent seules, et particulièrement dans les villes, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous avez pris le temps d'y réfléchir, dans une société qu'on dit une société de consommation et de une société de communication. On a réseaux sociaux, on a Zoom, on a Si, on a Instagram, aidez-moi les jeunes, aidez-moi, parce que je suis un peu dépassé, aidez-moi. On a WhatsApp, on a quoi encore? Snapchat, quoi d'autre encore? TikTok. Vous rendez compte, dans ce monde qui se dit un monde connecté, c'est à ce moment qu'on constate que les gens sont de plus en plus déconnectés les uns des autres. Et pourtant,
Il y a des possibilités de connexion. Ce qui veut dire, à l'autre terme, que rien ne remplace la chaleur humaine. Et ça me permet de dire que rien ne va remplacer l'Église. Hello. Rien ne va remplacer l'Église. Donc, effectivement, certaines personnes sont confrontées à la solitude. Certaines personnes sont seules, mais en réalité, spirituellement, tu n'es jamais seul. Je vais reprendre ça. Spirituellement, tu n'es jamais seul. À aucun moment de ta vie, Dieu ne t'abandonne. À aucun moment de ta vie. Aucun moment de ta vie. Alors, certaines fois, on se sent abandonné de Dieu parce qu'on a fait quelque chose de mal. On se dit, j'ai péché, et comme j'ai péché, ça ne plaît pas à Dieu, et on veut, écoutez-moi attentivement, et on veut acheter l'amour et la bonté de Dieu. Je vais vous dire comment on fait ça. On dit, Seigneur, j'ai fait quelque chose de mal, je te demande pardon, mais tu sais quoi? Je vais faire des choses pour toi. Je vais faire telle chose. Alors, entre parenthèses, rappelez-moi ce que je suis en train de dire, parce que je vais peut-être oublier. Les gens qui sont les plus dangereux à l'Église, ce sont les gens qui travaillent pour Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de travailler pour lui, il nous a demandé de travailler avec lui. Je vais reprendre ça encore. Juste en passant, hein? Ce n'était pas prévu dans le sermon. D'accord? Les gens qui sont les plus dangereux à l'Église, et en matière de spiritualité aussi, on le voit, c'est les gens qui veulent travailler pour Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de travailler pour lui, il nous a demandé de travailler avec lui. Avec lui. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Hein? Ah, je peux vous dire cela. Certaines fois, on est tellement intelligent qu'on se dit, je sais déjà ce que Dieu pense. Tu ne peux savoir ce que Dieu veut que lorsque Dieu te le révèle. Il l'a révélé certes dans sa parole. C'est quand Dieu se révèle à toi que tu sais ce que Dieu veut. Je vais reprendre ça encore. Les gens qui veulent travailler pour Dieu sont dangereux. Parce qu'ils seront tellement convaincus, comme l'apôtre Paul, il était convaincu qu'il fallait absolument persécuter les chrétiens. Il travaillait pour Dieu. Et Dieu l'a appelé, Jésus l'a appelé, arrête de travailler pour, viens travailler avec moi. Viens travailler avec moi. Pourquoi je suis parti sur ça? Vous m'en rappelez encore? Tout le monde, vous avez oublié comme moi? C'est ça. Mais bravo. Bravo, étudiants. Mais bravo. Bravo. Je vais me rappeler mes affaires. C'est pas un souci. Donc, ce que nous sommes en train de dire en ce soir, c'est qu'à partir du moment que nous avons pris conscience que nous ne sommes plus seuls et qu'il y a toujours Dieu avec nous, écoute-moi bien. Écoute-moi bien ce que je vais te dire maintenant. Tu vas vivre avec la présence de Dieu tous les jours de ta vie. Je vais reprendre ça. Tu vas vivre avec la présence de Dieu tous les jours de ta vie. Et en vivant avec la présence de Dieu tous les jours de ta vie, ce sera une force pour toi. Ce sera une force pour toi. Vivre avec la présence de Dieu, ce n'est pas avoir une approche négative de l'Évangile. Quand tu vis avec la, écoute-moi bien, quand tu vis avec la présence de Dieu, ce qui te vient à la tête, ce n'est pas ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Ne pas faire. Vous avez certains ont une religion de ne pas. Vous savez ça? Faut pas que tu fasses telle chose. 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 Faut pas que tu fasses. Attends. Mais laisse-moi te dire, quand tu vis avec la présence de Dieu, tu as une confiance en toi parce que tu sais que Dieu est avec toi. Donc quand tu vas à l'examen, hello. Tu y vas avec la présence de Dieu. Et tes camarades de cœur te demandent, mais pourquoi tu es aussi zen?
Tu vas leur dire, je suis zen parce que Dieu est avec moi. Amen. Je suis zen parce que Dieu est avec moi. Et ce que Dieu veut pour moi n'est même pas encore monté dans mon imagination. Hello, amen, messieurs. Ce que Dieu veut pour toi n'est même pas encore monté dans ton imagination. Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, comme je dois participer, faire participer les enfants. Les enfants, vous pouvez venir. Venez, les enfants. Venez, les enfants. Vous allez donner à chaque personne dans la salle, d'accord, cela, et vous allez dire, vous êtes un cadeau de Dieu. D'accord? Okay. Allez, à chaque personne dans la salle. Parce qu'elles ont, et dites-leur que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vas-y, tiens. OK. Vous allez donner à chaque personne, OK, dans la salle. Dites-leur que vous êtes un cadeau de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Allez-y. OK. Vous êtes un cadeau de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Tiens. OK. Vous donnez à chaque personne. Vous leur dites, vous êtes un cadeau de Dieu, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, tu peux donner à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. D'accord? Et les enfants, vous pouvez prendre un aussi pour vous. Vous êtes un cadeau de Dieu. Tiens, chacun, un pour vous, voilà, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Vous aussi, les enfants. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Un pour chacun. Très bien. Attends. Voilà. OK? Très bien. Donc, vous avez tous reçu. On a tous de la valeur aux yeux de Dieu. OK? Ça va? C'est super. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, ce n'est pas... OK? Ce n'est pas votre statut, ce n'est pas votre niveau social, ce n'est pas votre niveau intellectuel, ce n'est pas votre état civil qui vous donne de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu parce que vous êtes un individu créé à l'image de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous aime par-dessus tout. OK? Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que Dieu vous aime. C'est parce que je suis Jacques Bibrac. Alors, c'est souvent, je trouve ça extrêmement amusant avec mes amis avec lesquels j'ai grandi. Chose paradoxale, mes amis avec lesquels j'ai grandi m'appellent Jacques. Puisqu'on a grandi ensemble, d'accord. Il ne m'appelle pas pasteur. Quand il m'appelle pasteur, parce qu'ils ont une critique à faire au pasteur. Il m'a dit, pasteur Bibrac. Alors qu'il m'appelle naturellement Jacques. Mais dès qu'il m'appelle pasteur Bibrac, je sais déjà qu'ils ont une critique à formuler, d'accord. Donc ce qui veut dire notre valeur intrinsèque, c'est du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et que Dieu nous aime par-dessus tout. Alors, rappelons une chose. Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait le bien. Hello. Même quand nous faisons le mal, Dieu nous aime. Parce que l'amour de Dieu est par grâce. L'amour de Dieu est par grâce, chers amis. Ce n'est pas ce que je fais qui détermine l'amour que Dieu a pour moi. Ce n'est pas ce que je vais accomplir qui détermine ce que Dieu a pour moi. Ce qui détermine ce que Dieu a pour moi, c'est sa grâce. Et il nous faut accepter cette grâce. Et quand on a compris cela, chers amis, quand on l'a accepté, on développe une relation avec Dieu. Hello. En tant qu'individu, on peut être seul, on développe une relation avec Dieu. Permettez-moi de clarifier un point avec vous. Un point important. Je demande votre attention. Un point important.
Quand on a une relation avec Dieu, on prie. Mais la prière n'est pas une fin en soi. La prière n'est pas une fin en soi. La relation est une fin en soi. La prière est un moyen de maintenir la relation avec Dieu. Je vais reprendre cela encore. C'est important. La prière n'est pas une fin en soi. La prière a pour objectif de maintenir la relation avec Dieu. Pourquoi je prie? Pour que je puisse rester en relation avec Dieu. Pour que je puisse rester en contact avec Dieu. Tant et si bien que la prière devient pour moi, plus que des paroles, c'est une attitude. C'est vivre avec la présence de Dieu à mes côtés. Et quand je vis avec la présence de Dieu à mes côtés, chers amis, je suis une nouvelle créature. Vous vous rappelez que je vous ai raconté qu'il y avait le voleur qui est venu chez moi? Mais parce que la présence de Dieu était à mes côtés et que l'Esprit de Dieu m'a parlé, j'ai compris qu'il fallait demander que de bonnes choses pour le voleur. Tu te rends compte? Que de bonnes choses pour le voleur. Que la grâce de Dieu s'empare du voleur. Que la grâce de Dieu transforme la vie du voleur. Au lieu de demander que sa main soit coupée. Parce qu'avec la présence de Dieu, tu as une autre manière de penser, une autre manière de faire. Donc tu peux être seul, peu importe, mais tu sais que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec nous, on marche avec Dieu. Et on est fiers d'appartenir à Dieu. Alors certaines fois, je sais que certains jeunes ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Je peux vous dire une chose, les musulmans sont fiers de Dieu qu'ils sont musulmans. Hein? Les jeunes musulmans sont fiers de Dieu qu'ils sont musulmans. Ah ouais, ils sont fiers. Ils le revendiquent. Je suis musulman. Laisse-moi te dire, revendique aussi, je suis chrétien, je suis un adventiste du septième jour. Ah ouais. Ah, tu peux être fier de cela. Ah ouais. Ah, tu peux dire, oui, ah, je suis chrétien. Jésus est mon sauveur, Jésus est mon ami, ouais. Parce que avec Jésus, on a une force. Alors que les disciples disaient à Jésus, « Oh Seigneur, on va rester avec toi, on sera fidèles. » Lorsque le moment difficile est arrivé, plus personne. Certaines fois dans votre vie, il y a des gens qui vont vous promettre « Moi et merveille ». Qui vont vous dire, je resterai avec toi toute ma vie. Je serai fidèle à toi. Comme j'ai dit à une fille un jour, telle la hauteur du ciel à la terre, telle mon amour pour toi. Vous pouvez citer le pasteur Bibouac, hein? D'accord? Vous pouvez me citer. Hein? Ouais. Telle la distance du ciel à la terre, telle mon amour pour toi. Mais ce que Dieu promet, il l'accomplit. Il l'accomplit. Maintenant, pour les 10 dernières minutes qui nous restent, je vais vous parler de l'Église maintenant. Notre Église doit accueillir ces personnes qui sont seules. Notre Église doit aller vers ces personnes qui sont seules physiquement et leur dire qu'elles ne sont pas seules. Notre église doit être une église accueillante. Et quand je parle d'église, vous savez de quoi je parle? Dites-moi. De nous. Ah, de nous? Ah ouais, de nous. Voilà. C'est nous qui devons être accueillants. C'est nous qui devons accueillir ces personnes. C'est nous qui devons aller vers ces personnes. C'est notre mission. Nous devons aller vers elles. Vous avez constaté une chose? C'est que Dieu a fait en sorte qu'on ne puisse pas rester seul. Les enfants, combien de poissons que Dieu a créés? Les enfants, combien de poissons que Dieu a créés? Combien de poissons? Pas possible de compter. Il a créé beaucoup de poissons. D'accord? OK. Combien d'oiseaux que Dieu a créés? Pas possible. Vous rendez compte que Dieu crée toujours... OK, plusieurs poissons, plusieurs oiseaux, pour montrer que Dieu a prévu que dans son univers,
il puisse avoir toujours un groupe. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains, Dieu va créer l'homme et la femme pour que nous pour créer et que nous puissions vivre ensemble. L'Église a pour objectif de recevoir toutes ces personnes et d'aller vers elles. Bien, c'était la bonne parole. Dites-moi, vous auriez aimé aller quelque part, aller dans un groupe qui a cancan, qui a des disputes, que les gens sont en train de se chamailler. Vous auriez aimé aller dans cela? Non? Mais pourquoi? Si ça te rapporte des choses, c'est bon. Toi, tu es un pragmatique. Vous voulez aller dans un lieu qui a une bonne atmosphère, une belle atmosphère, où les gens se comprennent, où les gens se parlent, où les gens prennent le temps les uns pour les autres, où les gens mangent ensemble. On m'a déjà invité à manger. Amen. Mais le premier repas auquel je vais participer samedi avec vous, si Dieu veut, c'est le service de communion. Parce que nous devons être en communion les uns avec les autres. Et comment puis-je être en communion avec toi, avec toi, avec toi? C'est seulement quand je vis avec la présence de Dieu à mes côtés. Mes frères, certaines fois, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de dire des choses, mais le Saint-Esprit me tient. Jacques, je suis là. Je suis là. Je vais t'aider à traverser cette situation. Je vais t'aider à traverser cette épreuve parce que je suis là. Notre Église doit être une Église forte. Je pensais que vous avez dit Amen, mais en fait, ça viendra après. Notre Église doit être une Église forte. J'ai essayé encore, mais ça n'a pas marché. Bon, tant pis. Ça n'a pas marché. D'accord? Notre Église... Non, c'est vrai. Nous avons avec nous le Créateur de l'univers. Donc, notre Église doit absolument être une Église accueillante. Ça, c'est important. Comment voulez-vous que les gens viennent chez vous et vous ne les accueillez pas bien? Comment voulons-nous que les gens se disent, « Oui, mais l'Église Adventiste, waouh! Maman, quelle Église! Quel peuple! » Le Christ n'a pas menti. Le Christ a dit, « Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, les gens diront, « Oui, ils sont chrétiens, ils viennent du Christ. » Nous avons besoin d'avoir encore davantage d'amour. Et comme ce petit enfant qui se réjouit à l'église, on peut se réjouir aussi à l'église, pas vrai? On peut se réjouir aussi à l'église. Donc, notre église accueille toutes les personnes seules. Alors, je vais demander à cinq enfants de venir. Ça fait 4 et il manque un enfant, 5. Ah, voilà, le cinquième qui arrive. Très bien. C'est bon. Alors, les enfants, nous allons prendre des fleurs. Et vous allez donner... Attends. Vous allez donner... Non, parce qu'il ne faut pas abîmer les fleurs. C'est une fleur. Tiens, attends. Prends. Attends, reste là, reste, ne pars pas. Tiens. Voilà, une fleur. Tu vas donner, vous allez choisir quelqu'un qui vit tout seul, qui est seul chez elle. Alors, donnez à quelqu'un qui est seul. Tenez bien mes fleurs, s'il vous plaît. Allez, donnez à quelqu'un qui vit tout seul, qui est seul chez elle. Allez. Qui est seul chez elle, voilà.
donner quelqu'un qui est seul chez elle ou quelqu'un qui n'est pas encore marié. Allez. Alors, quand je dis seul, ça peut être une mère seule au foyer. Voilà. Donner à quelqu'un qui est seul. Ça va, tout le monde? Ah, ok. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, je demandais à un grand, viens ma puce. Tu vas passer près des personnes qui ont les feuilles, les fleurs, et tu vas leur demander de mettre leurs fleurs dans leur pot à fleurs. Vas-y. Voilà. Le pot à fleurs. Vas-y. Très bien. Ensuite, voilà. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que vous constatez, les enfants? Qu'est-ce que vous constatez? Mais parlez un peu plus fort pour que j'entende, oui. Qu'est-ce que vous constatez? Ils sont ensemble. Et quand ils sont ensemble, comment c'est? C'est comment? C'est plus beau lorsqu'on est ensemble. C'est un vrai bouquet. C'est comme ça que nous devons être à l'église. Un vrai bouquet. Chacun avec sa différence. Chacun avec ce que Dieu lui a donné. Et ça forme un beau bouquet. Où est la petite qui a fait le bouquet? Viens, viens. Tu vas remettre à chaque personne sa fleur pour moi, s'il te plaît. Ah oui, je vais leur remettre leur fleur quand même. Vas-y, remets-leur leur fleur. D'accord? L'idée, c'est que nous avons notre différence, nos différences, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on est ensemble, on forme un véritable bouquet. Les personnes qui sont seules doivent réaliser que Dieu les aime avec leurs différences. Dieu les aime avec leur solitude. Merci beaucoup, Marguerite. Merci. Merci. Donc, notre église, chers amis, doit être un lieu, et je termine avec ça, notre église doit être un lieu où nous recevons tout le monde. Amen. Notre église doit être un lieu où nous recevons tout le monde. Un lieu où nous recevons les personnes seules. Un lieu où nous apportons véritablement un baume dans leur vie. Un lieu où nous recevons tous les pécheurs, amen. Un lieu où nous recevons tous les pécheurs, amen. Pour qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous puissions nous aimer les uns les autres. À toutes les personnes qui sont seules à l'église, nous sommes heureux de vous avoir. Nous sommes contents que vous soyez là. Et nous vous disons que nous allons veiller sur vous. Amen. Quels sont ceux qui vont veiller sur les personnes qui sont seules? Laissez-moi voir les mains. Ah, voilà. Ok, très bien. Mais vous pouvez vous retourner regarder, hein, voir toutes les personnes qui sont là, qui vont veiller sur vous. Parce que notre Église sait recevoir. Notre Église sait prendre soin.
des personnes seules. Donc, toutes les personnes seules que vous connaissez, que nous puissions aller vers elles et les encourager à toujours regarder à Jésus. D'accord? Ça va? Bien, ce n'est pas fini. Les personnes seules, vous allez les prendre dans vos bras. Allez, c'est parti. Allez, vous allez... moi, je te fais la bise. OK. Les personnes seules, allez, vous les prenez dans vos bras, vous les embrassez, vous donnez la main, vous faites tout de suite. D'accord? OK? Les personnes seules, que tu te gardes et te bénisses. Voilà. Recevez les personnes seules. D'accord? Voilà. C'est ça notre église. Une église qui, effectivement, les filles, comme. Et nous allons nous mettre debout pour entonner notre chantem. Nous allons nous mettre debout pour entonner notre chantem. Levons-nous. Un appel vient pour les soldats, il est pour tous. Soldats pour le conflit, entends-tu l'appel? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Jésus appelle des soldats courageux, soldats qui le suivront de près chaque jour. Lui, ce brave héros, veut bien nous former. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Des volontaires pour Jésus, des vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Ensemble, Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour. Nous voulons te remercier du fait que tu prends soin de toutes les personnes qui sont seules. Et tu partages cette responsabilité avec ton Église. Que chacun d'entre nous qui connaît une personne qui est seule puisse aller vers cette personne, que ce soit au sein de la communauté ou à l'extérieur de l'Église, parce que nous voulons être une Église qui accueille ces personnes, une Église qui leur montre de l'amour, de l'attention, de la compassion, et que nous puissions continuer à être avec eux dans la communion fraternelle. Nous te demandons, Père, de faire en sorte que chacun d'entre nous, nous puissions apprendre à vivre avec la présence de Jésus-Christ. Ça ne sera jamais seul, et que toi, tu es toujours à nos côtés. Même si certaines fois, il y a le sentiment de solitude, même si certaines fois, on ressent un certain isolement, mais Père, que tu puisses venir et mettre en nous ton Esprit Saint, ta présence, pour que nous puissions réaliser que toi, tu es là, là et là à nos côtés, et qu'avec toi, nous avons la force qui nous permet d'avancer et de faire face aux épreuves. Merci encore, merci pour ton amour et ta présence. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. À demain soir, 18h30. Dieu voulant.